Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous parler du FN Project, donc un projet initié par Oracle, un projet open source, qui va s'attaquer à une plateforme serverless. Alors, c'est un projet qui est assez significatif du nouvel Oracle, dans le sens où on commence par faire un projet open source pour tous nos clients, et ensuite seulement, on réalisera un service PaaS de type Function as a Service sur le cloud Oracle. Donc, ça veut dire que nos clients pourront créer des fonctions donc et faire du serverless aussi bien sur le cloud Oracle que sur des clouds concurrents et même on-premise. Donc c'est tout l'intérêt de ce projet. Pour commencer, on va faire un petit tuto qui concerne évidemment une fonction en Java. Alors c'est vrai que le projet est multilangage, on pourrait faire du Go, du Java, etc. etc. Là, on va faire un Hello World en Java. Donc on va regardez effectivement sur Internet, on va trouver le tuto FDK Java. Voilà, et on va suivre un petit peu la documentation tout simplement. Alors tout simplement, j'ai une VM qui tourne, j'ai installé FN. Donc si je fais FN-version, voilà, je suis en 04133. J'ai créé un répertoire Hello Java Function, comme dans la documentation, et on initie le projet avec un FN init runtime Java et le nom de mon image Docker. Effectivement, le FN projet, ça consiste à prendre votre fonction, à l'encapsuler dans un container Docker pour ensuite l'instancier à la volée. OK? Si on regarde la première fonction Java qui a été codée, donc on regarde ici, on va faire un Hello World, donc elle va s'appeler CHello. Elle prend un paramètre, un input event, sur lequel on récupérera le nom, et elle renverra un pojo, greeting, hello, nom. Alors c'est vrai que c'est très simple de faire des fonctions ici, avec notamment des pojos. Des pojos, simple classe Java, standard. Une fois que j'ai réalisé mon code, la première étape, effectivement, je fais un FN build. Donc je regarde si, eh bien, tout simplement, mon code compile au niveau Java. Ça, c'est parfait. Donc, j'ai build de manière successfully. Et ensuite, je vais appeler ma fonction. Alors, ma fonction, c'est tout simplement pour l'appeler un fnrun. Un fnrun, ça fait quoi? Eh bien, ça appelle la fonction. La fonction étant dans un container Docker, je lance le container Docker, j'exécute ma fonction, je me donne l'image et puis j'éteins. OK? Et j'obtiens le résultat, voilà. Name unknown, salutation, hello, au niveau greeting. C'est parfait. Maintenant, je peux déployer cette fonction sur le FN serveur. Donc là, je viens d'exécuter localement. Donc ça veut dire que j'ai démarré à côté le FN serveur. Donc le FN serveur est là, à disposition. Donc la deuxième étape, ça va consister à, je vais créer une application. Voilà, donc je vais créer une application FN Create App Java App. OK, ça a déjà été fait. Et ensuite, je vais la déployer sur le FN serveur. Donc là, en l'occurrence, un FN, voilà, deploy tout simplement. Alors, si je copie ça, voilà, on va la déployer à nouveau ici, paste. Donc on va enlever le petit dollar du départ. Fin. Et je la déploie. Donc on voit que lorsque je la déploie, le numéro de version est incrémenté. Et je vais déployer donc cette fonction sur le FN serveur. Ça y est, cette fonction est déployée. Je peux donc l'appeler tout simplement. Eh bien, en faisant, et voilà, en utilisant Postman, une requête HTTP, donc RESTful, avec un paramètre name égale Chris, voilà, et on obtient bien la réponse, en théorie, voilà, name Chris hello. Alors, on voit que j'ai mis, effectivement, 2890 millisecondes. Là, c'est pas très gros, mais c'est ce qu'on voit. Donc, j'ai mis quasiment 2 à 3 secondes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au premier appel, tout simplement, le FN serveur, la fonction n'était pas prête, c'est du serverless, et donc va instancier le container Docker, etc., etc. Et donc, ça prend du temps. Par contre, j'ai ce qu'on appelle une haute fonction. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir des fonctions prédisposées qui vont rester allumées un certain temps dans leur container Docker. Et là, si je réappelle la fonction, en l'occurrence, voilà, donc là, j'ai attendu trop longtemps, donc c'est toujours 2 secondes, mais si je réappelle maintenant, voilà, donc j'ai 199, 135, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Bon, ça tourne sur ma VM, normalement ça tourne en 50 millisecondes. Voilà, 160 millisecondes, c'est beaucoup plus rapide, mais j'ai une VM sous Linux qui diminue pas mal les performances. 73 millisecondes.
Voilà. C'est très simple, hein, vous avez vu. Donc, le projet FN Server à retenir, un projet qui permet de créer des fonctions serverless à la fois on-premise et sur tous les clouds. Oracle, on sortira probablement notre Function as a Service à la fin de l'année. Merci pour votre attention.